trouvé mieux qu'une oreille? Ça, c'est bien, TBF. Moi, je préfère RTL. Ils ont le meilleur programme. Oui, de meilleure publicité aussi. Oui, et quand elles deviennent un feuilleton, ça va, mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'on entrecoupe des films avec la publicité. Un service public ne ferait jamais une chose pareille. C'est toute la différence. Il est deux propos qui reviennent souvent dans le langage politique de Belgique. Et ces deux propos sont les deux facettes d'une même pièce. On parle souvent de privatisation des services publics et de faire confiance à l'entreprise. À l'entreprise privée, sous-entendu. Alors, ceci posé, autant savoir que la plupart des services publics que nous connaissons actuellement, postes, chemins de fer, hôpitaux, enseignements, etc., étaient jusqu'au 19e siècle des entreprises privées. Et que d'autres entreprises publiques que nous connaissons actuellement, comme par exemple la RTBF, n'existaient pas du tout au 19e siècle. Alors, question, pourquoi les entreprises privées du 19e siècle ont-elles passé la main à l'État, c'est-à-dire à la collectivité? Mais pourquoi aussi les entreprises privées, c'est-à-dire le capital privé, n'a-t-il pas investi, par exemple, dès le début, et financièrement, dans la télévision? Les gens qui avaient de l'argent n'ont pas investi dans la télévision parce que ça ne rapportait pas, tiens. Mais si la RTBF est un service public, moi je me demande bien quel service elle rend. Mais là, je crois que je peux vous apporter un complément d'information. Un décret de 1977 impose à la RTBF quatre missions. Information, développement culturel, éducation permanente et divertissement. Mais ok, mais RTL remplit aussi ces quatre missions. Oui, c'est vrai, vous avez un peu raison, je suis d'accord. Comprenez-vous que RTL remplisse ces quatre missions? Je veux bien, RTL informe, il faut informer un petit peu. Mais surtout, RTL divertit, parce qu'il faut divertir. Il faut absolument divertir pour pouvoir faire des émissions publicitaires qui rapportent. Et puis c'est tout, hein? Mais ça rapporte, ça rapporte. Mais avec leur jeu, ils donnent beaucoup de prix. Je vous propose de regarder des exemples de services rendus par la RTBF et puis on verra des exemples de services rendus par RTL. C'est la météo, les informations et la revue de la presse hebdomadaire. Écoutez la RTBF, il est 11h57, l'heure de nos communiqués à la batellerie. L'Institut belge d'amélioration de la betterave vient de fêter ses 50 ans d'existence. Amis belges qui circulez en France, nous avons ici des informations qui vous concernent. Pour le trafic routier, alors le trafic est normal sur l'ensemble des régions de la vallée du Rhône, de la Provence et des côtes méditerranéennes de Perpignan à Nice. Les offres d'emploi de l'ONEM. Salut les amis, comme tous les soirs à 19h30, c'est Radio Pirate. C'est Radio Pirate pendant une demi-heure. Et tout de suite, avant de commencer l'émission, une petite annonce. C'est une petite annonce urgente pour vous parler de cinéma. Pour nos auditeurs d'Afrique et d'Europe du Sud, voici maintenant les cours des monnaies étrangères. Il s'agit du cours moyen officiel. Votre robe à rayures me plaît beaucoup. Ennemi, il n'a plus d'argent, il paraît. Il dit, il n'est pareil, quoi, c'est qui hante. Houtim, mes amis, Houtim, à vous toutes vos oreilles et à vous tous vos secours. Essayez, c'est une doigt raisonnable, c'est une attrape demandée à une femme, hein. Al secondo turno di tutte le coppe europee, solo la sfortunata Fiorentina rimarrà a casa. Je terminerai en français cette présentation de buts venant d'Italie pour souligner l'impeccable 3-0 de la Juventus de Turin face à Naples. إخواني أخواتي أعزائي الكرام أطيب الله أوقاتكم ومرحبا بكم في برنامجنا من إذاعة اليجفي. 1, 2, 3 et 4. Bougez-vous, ça fait un bien fou.
Notre souci à tous quand nous acquérons un appareil radioifi télé ou un appareil électroménager, c'est d'être assuré, par exemple, qu'après notre achat, le vendeur nous fournira un service après-vente valable. Et très vite, votre peau devient lisse. Et très vite, votre peau devient lisse. Vierge, une bonne publicité fera vendre un produit une fois, mais peut-être pas deux si la qualité promise n'est pas évidente. RTL, c'est BBL, en fait. BBL, Banque Bruxelles-Lambert. L'actionnaire principal de la compagnie luxembourgeoise de télévision n'est autre que le groupe Bruxelles-Lambert. RTL est donc une entreprise privée, et en tant qu'entreprise privée, n'a pas d'autre but que de faire du profit financier. La RTB, par contre, avec son statut de service public, est supposée être au service du public. C'est ce qui explique, je crois, la différence de qualité et de contenu dans les exemples qu'on vient de voir. C'est pour cette raison qu'à mon avis, la RTB devrait pouvoir conserver sa faculté de s'adresser à la majorité de la population, bien sûr, mais aussi aux minorités. Tout ça, c'est très bien, mais c'est quand même RTL qui est la plus regardée, non ? C'est pas tout à fait exact. Les sondages sont clairs à ce sujet, la RTB a la plus forte audience. Et ce qui est curieux, c'est que l'émission la plus regardée, c'est le journal télévisé. Mais tout ça nous coûte très cher en taxes et ça ne nous rapporte rien. La redevance radio-TV ne va pas ni à la radio ni à la télévision, elle va directement dans la caisse de l'État. Tu m'as jamais dit ça? C'est exact, madame, monsieur a raison. La redevance radio-TV rapporte dans les caisses de l'État plus de 10 milliards de francs belges et inversement, la RTB n'en reçoit en dotation qu'à peu près 3 milliards. Oui, mais la RTB ne parle jamais que de choses catastrophiques, quoi. Vraiment, c'est pas... Vous vous appelez comment, vous? Vous croirez vraiment entendre l'ancien président du syndicat des patrons, la FEB? De toute façon, à la RTB, c'est tout des gauchistes. Ah, tous les journaux le disent. Écoutez, un instant, voilà. Puisque vous voulez parler d'objectivité, de l'objectivité, on va parler de l'objectivité. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer avant que ce n'est pas seulement le journal parlé et le journal télévisé qui donnent des informations politiques, mais que les autres émissions aussi ont un contenu politique. Les autres émissions, comme par exemple les feuilletons, le sport, les variétés aussi. Alors, je vous propose de regarder une séquence du journal télévisé, et puis on va voir comment on fabrique cette séquence du journal télévisé. Objectivité. Prenons une séquence du journal télévisé. Sans changer le montage des images, parce que le montage aussi, ça peut donner des sens très différents au contenu de l'information. Voici un premier exemple de commentaire. C'est Madame Thatcher qui est arrivée la première ce matin pour participer au sommet européen de Bruxelles. Elle précédait de quelques minutes un chancelier Schmitt fort préoccupé, comme tous les dirigeants socialistes européens, dont les politiques économiques se heurtent à des difficultés de plus en plus sérieuses, et ce n'est pas le président Mitterrand qui le démentira. Une fois encore, les spécialistes espèrent que les dirigeants européens se mettront enfin d'accord sur une politique d'austérité et de sacrifice, seule capable de faire prévaloir l'intérêt commun et de sauver l'économie des 10. Deuxième exemple, toujours les mêmes images, mais changement de cap politique.
Les difficultés économiques qui s'accumulent en Grande-Bretagne ont fait perdre le sourire à Margaret Thatcher, qui est arrivée la première à Bruxelles. Le chancelier ouest-allemand participe lui aussi à ce sommet européen. Helmut Schmidt et François Mitterrand tenteront de battre en brèche la politique d'austérité des gouvernements conservateurs, dont l'échec est aujourd'hui évident, comme le soulignent de très nombreux spécialistes. Ce sommet permettra-t-il enfin aux 10 d'adopter une politique de relance, seule capable de combattre le chômage? C'est la question angoissée que tout le monde se pose aujourd'hui. Là, il me semble que c'était un commentaire de gauche, indéfinissable, mais de gauche. Dans un autre genre, maintenant, un commentaire d'humeur et d'humeur rose, comme les affectionne par exemple la FEB et l'Establishment. C'est une Margaret Thatcher aussi élégante qu'énergique qui est arrivée la première à Bruxelles pour participer au nouveau sommet européen. Avec le chancelier Schmidt et les autres chefs d'État et de gouvernement, elle va tenter de donner un visage enfin uni à l'Europe. Le dîner offert par le roi a permis aux participants d'échanger des premières impressions qui présagent d'une réunion fructueuse. On s'est retrouvé ensuite dans le cadre prestigieux du palais d'Egmont. Visiblement, l'ambiance était à la sérénité et chacun paraît animé de la volonté de surmonter les divergences pour arriver à une politique profitable à tous. Dernier exemple, noir. Pas de soleil ce matin à Bruxelles pour l'arrivée de Margaret Thatcher, qui doit participer au sommet européen avec le chancelier Schmidt et les autres chefs d'État et de gouvernement. La météo est à l'image du climat politique morose d'une Europe incapable de trouver un accord sur les politiques économiques. Et ce n'est pas le déjeuner du palais de Laeken ni les jardins déserts du palais d'Egmont qui auront permis de remonter le moral de participants d'abord soucieux de protéger leurs propres économies. Décidément, les 10 millions de chômeurs de la communauté ne doivent pas attendre grand-chose de cette réunion. Supposons que je suis journaliste, disons que je travaille à la TV. Je vais d'abord faire le journaliste et ensuite je ferai le présentateur du journal télévisé. Ce n'est pas tout à fait la même fonction. Le matin, je me rends à mon travail. Bon, puisque vous m'interviewez sur mon métier, d'abord mettons-nous d'accord sur les mots. Dictionnaire, objectivité, eh bien c'est l'absence de parti pris. Alors là, objection. Comment pourrais-je faire pour ne pas avoir d'opinion personnelle? Non, ce que j'aimerais, moi, c'est d'avoir les moyens d'enquêter sur les événements que je relate, pouvoir enquêter avec rigueur, honnêteté intellectuelle et sans aucune pression d'aucune sorte. Salut. Une émission littéraire. Dans une émission littéraire. Je crois que c'était Bussy déjà qui l'a interviewé. Il lui demandait notamment s'il était sensible au fait que Pierre, le tableau valait. C'est toi qui vas à la conférence de presse Banque mondiale? Oui. Pierre Madia? Oui. Plutôt pour toi. Ah bon? Téléphone. Ah bon? L'objectivité, ça préoccupe beaucoup de monde en Belgique. Remarquez, on devrait aussi s'intéresser à l'objectivité à RTL, par exemple, ou dans la presse écrite. La presse écrite, elle s'intéresse plutôt à l'objectivité à la RTBF. C'est curieux, non? Bon, pour vous informer, je dois d'abord m'informer moi-même. Et pour ça, j'ai trois sources principales d'information. Les journaux, le courrier et les télex. Je ne peux pas être partout à la fois et on a fort peu de correspondants à la RTBF. Pour en revenir à l'objectivité, c'est sûr que j'ai mes opinions personnelles. Mais à la rédaction, je ne suis pas seul. Et il y a pluralisme politique. Il est d'ailleurs calqué sur le pluralisme du conseil d'administration, qui lui-même est composé sur base de la représentation parlementaire francophone. C'est sûr. Il y a les copains de gauche, les copains de droite. Toutes les opinions politiques de Bruxelles et de Wallonie sont représentées au journal télévisé, au journal parlé aussi d'ailleurs. Cela dit, ce pluralisme politique n'empêche pas qu'il y ait à la rédaction un consensus politique, culturel et moral, un consensus à mon avis globalement conservateur, à l'image de notre classe politique d'ailleurs. Imagine-t-on les présidents de parti le dimanche midi autrement qu'en veston-cravate? Les imagine-t-on parlant de révolution? Non, n'est-ce pas? Et quant à moi, s'il me prenait l'envie de lire une épitaphe vengeresse à la mort de Pinochet, bien j'aurais sûrement des ennuis graves.
Mais revenons à nos sources d'informations. La presse que je lis, majorité écrasante, presse de droite. Les Telex, abonnement seulement à 4 grandes agences de presse occidentales. C'est l'AFP, c'est bien. La concentration dans les médias internationaux est de plus en plus grande. Le courrier, on en reçoit beaucoup. Carton d'invitation en tout genre. Il y a quand même des chics cartons d'invitation. On en reçoit surtout de la part de ceux qui ont les moyens, ceux qui savent organiser des conférences de presse, envoyer des communiqués, etc. 10h05. La réunion des chefs est sûrement déjà terminée. On va aller voir ce qu'ils nous ont mitonné. Moi, à 10h, maintenant, je vais aller à la réunion de rédaction. En simple journaliste. Alors, à la réunion de rédaction, en fait, c'est la réunion des journalistes, des rédacteurs, du présentateur aussi du journal télévisé. C'est là qu'on va discuter du travail à faire, qu'on va discuter du choix des sujets aussi, et qu'on va se distribuer ces sujets à faire. Et la réunion commencera sûrement par une autocritique du journal télévisé d'hier soir. Allô, planning. C'est Jean-Pierre ici. J'aimerais une équipe de tournage pour 14h. Pas d'équipe de garde libre à 14h. Tous occupés ailleurs. Pas assez de personnel. Et en vidéo légère, c'est possible? Non plus. Matériel, c'est pas ça non plus. Ah, c'est possible à 15h. Bon, bah d'accord, une équipe. Bon, d'accord, oui, une équipe de tournage à 15h, alors, ça va. La voiture en bas, ok, j'y serai. Salut. Salut Jay, ça va? Ça va? Problème de planning, mon vieux, je filme. Bien sûr que nous tenons compte de l'avis des citoyens. Pour certaines émissions, les sondages comptent beaucoup et le conseil d'administration en tient compte. Je constate aussi que les gens de gauche, souvent, hésitent à écrire ou à téléphoner leur avis. C'est dommage. Bon les gars, on avait 4 possibilités de tournage. On pouvait aller filmer la descente d'avion des chefs d'État à Zaventem, on pouvait aller filmer au palais d'Egmont, on pouvait aller filmer au Berlaymont aussi, et puis ici au palais de Laeken. Alors désolé, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on filmera seulement ici au palais de Laeken, quoi. Alors je propose ceci, les voitures officielles vont arriver par là, de là jusqu'ici. Alors on va faire un premier plan avec les voitures officielles et puis on fera un deuxième plan à l'intérieur. On fera, bon, un plan avec la traditionnelle photo de famille, quoi. Bon, je suis désolé, je comprends bien, c'est pas terriblement excitant à faire, mais bon, on n'a pas le choix, on doit être rentré avant 5 heures. Alors, je crois qu'ils vont arriver. Vous êtes prêts? On est prêts à tourner? On y va? Ils arrivent.
Ça tourne? Moteur? Non, ça va pas. Bon, mais dépêche-toi, ils arrivent, allez. Ok. Ça tourne? Moteur? Tourne. Ok, coupez les gars, merci les gars, c'est bon. On passe à l'intérieur. Non, il n'y a pas vraiment de censure directe. Mais c'est évident que quand j'écris mes commentaires ou quand je monte les images et le son, il y a de l'autocensure. Le mot juste. Il arrive d'ailleurs que nous recevions de la direction des consignes de prudence politique. Dans le privé, l'opinion des journalistes finit en général par ressembler à celle des propriétaires des médias. La RTBF, elle, est en principe autonome. Mais dans les faits, on est tributaire du manque de moyens d'abord. On est sensible à ce que diront les journaux, et ceux de droite ont la dent longue. On est sensible à ce que diront les hommes politiques, et il leur arrive d'ailleurs d'intervenir et de faire des pressions directes. Non, non, ça vient de différents partis. On est sensible enfin aux pressions plus quotidiennes de la hiérarchie. Et les chefs ne manquent pas. D'ailleurs, nous, il n'y a pas longtemps, on appelait ça la mexicanisation du JT. Comme à l'armée mexicaine, on risquait d'avoir 12 chefs pour 12 journalistes. Il arrive même que la hiérarchie visionne avant passage sur antenne. Eh bien, tout ça fait que l'ordre de passage des séquences du JT, le temps qu'on accorde à un sujet plutôt qu'à un autre, le choix des séquences, qu'on vous parle de Caroline de Monaco ou de conflits sociaux et du chômage, c'est quand même pas le même contenu politique. Changement de tablier, on vous prépare le présentateur du journal télévisé. Séquence et comme fin de journal, on aura une séquence grand public, alors ce sera très bien. Le genre record incroyable mais vrai. Oui, c'est bien ça. La séquence avec la souris qui boit du porto, ça c'est très grand public, c'est bien. C'est terminé? Merci. Conflit interne au CVP, une menace pour la cohésion gouvernementale. Pologne, le gouvernement en butte aux conflits sociaux. Page culturelle, exposition Lewis Carroll à Bruxelles. Mesdames, messieurs, bonsoir. Actualité politique chargée aujourd'hui. Au sommaire, une première séquence de politique internationale. Jean-Pierre Mespers a assisté pour nous au sommet des 10 qui a commencé aujourd'hui à Bruxelles. Début officiel cet après-midi du sommet des 10 chefs d'État d'Europe. Les chefs d'État s'étaient donné rendez-vous à 15h30 au palais de Laeken où ils furent accueillis par le roi. Le sommet des 10 revêtait cette année une importance particulière. Le ciel en tout cas était clément sur le palais d'Egmont où se sont ensuite retrouvés les chefs d'État d'Europe. Autour de la table s'opposeront les tenants d'une politique d'austérité et les tenants d'une politique prioritaire de relance de l'emploi. Parviendront-ils à un accord? Nous en saurons certainement plus demain à l'issue de ce sommet. J'aurais pas dû dire que le ciel était clément. Voilà. Vous venez de voir quelques situations symboliques qui expliquent sommairement de quoi dépend l'objectivité. Il est clair, après ceci, qu'il faut maintenir au maximum l'autonomie du service public RTBF
à l'égard des pressions politiciennes et maintenir aussi son autonomie financière. Tant que la RTBF restera un service public, c'est vous qui décidez de son avenir parce que vous êtes des contribuables et des électeurs. À vous d'en discuter, à vous d'intervenir, parce que vous avez aussi votre mot à dire.